C'est avec Marie de Tilly, coach en savoir-vivre et bonne manière, qu'il a rendez-vous. Elle va lui enseigner les codes et conventions d'usage de la haute société. Monsieur. Enchanté. Philippe. Parfait, Marie de Tilly. On va commencer donc notre cours. Vous allez nous accueillir. Donc on va vraiment se mettre en situation. Comme ça, on va voir un petit peu comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites. Ok, voilà, ça marche. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ah, les premiers invités. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Comment va monsieur le marquis? Fort bien, cher ami. Heureux de vous revoir. Eh bien, pareillement, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, faites comme chez vous, hein. Vous voulez que je vous débarrasse, peut-être? Ah, oui. Vous pourriez m'aider, c'est pas mal. Ah, je peux vous aider? Voilà, vous pouvez aider. Je vais peut-être pas m'arrêter au manteau, alors. Philippe, oui. Si je puis me permettre. Mais permettez-vous, vous êtes chez vous. Bon, alors, peut-être qu'on va... On va recadrer 2 minutes. Je pense qu'il n'a pas tellement bien compris la différence entre galanterie et la séduction. Il y a quand même un monde. Il ne faudrait pas qu'il en fasse un peu trop, parce que là, ça peut du coup devenir pénible. Elle adore mon sens de l'humour et dit il faut le garder, il faut juste savoir respecter. Attention, attention, attention à ce qu'il ne franchisse pas trop la barrière. Quand on est arrivé, bonsoir, bah non, je ne suis pas un chien. Bonsoir, madame. D'accord. Vous ne me connaissez pas, donc bonsoir, madame, là, vous prenez aucun risque. Vous dites surtout pas enchanté. Oui. Surtout, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne dites pas enchanté. Parce que c'est une faute de français. C'est comme si on vous disait, on vous pose une question et vous répondiez uniquement par un adjectif. En fait, on répond par une phrase, sujet, verbe, complément. Je suis ravi de faire votre connaissance. Voilà. Il faut faire des phrases, ça, c'est plus dur. Hein, oui. Bon. Ben, de nos jours, c'est vrai que ça... Et déjà, sur les textos, c'est impossible. Les informations se multiplient et Philippe n'est pas encore au bout de ses peines. Il doit apprendre par cœur la liste de ses invités. Encore une fois, il y a un protocole à respecter. La princesse Catherine Colonna, c'est elle que vous allez appeler princesse. La princesse. Vous lui direz toujours princesse. Pas madame la princesse. Non, la princesse. Jamais. Princesse, en fait. Elle, c'est princesse. C'est le seul titre ce soir que vous direz à la place de madame. D'accord. Je panique un petit peu avec tous les noms qu'il va falloir que j'apprenne, les prénoms, les titres. Et encore, je suis pas encore arrivé au moment du repas. Il va falloir installer les gens, pas les froisser, les appeler correctement.